Administration Moïse Jutla avance avec plusieurs chantiers infrastructures dans le département Centre-Pays. Construction route Inch Saint-Raphaël là presque arrivé dans bout de li. Asphalte déjà posé sur route là sorti Inch rivé Pillon et travailleurs après pour suivre. Route 9 ça respecter tout ça en route doit gagner pour éviter accident circulation. Dans certains côtés techniciens ont construit fossé maçonné à gabion pour protéger belle infrastructure ça. Là nous au niveau pont sur la vigne Caïman à pont Colade. Mon quartier la jeune à Bourok songe mauvaise expérience sur des convives. Le route Inch Saint-Raphaël peut être fait. Les bois doivent descendre, si les doivent finir baisser et puis laisser ça nous car nous qu'on pousse les machines mais dehors. Tout le bonhomme ça là, les doivent descendre nous qu'on casse tout bonhomme, casse déjà des nets. Mais au moment ça là vient pas gain ça qu'on a voir. Mais ça nous qu'on passe la boue, on dépend nous passe machine collée. Il y en a là où dormi fait n'importe deux trois jours là. Il n'y a pas qu'à passer. Nous-mêmes, maintenant, nous sommes secs, nous sommes tombés, si nous sommes bêtes, nous n'avons pas en bas dans tout là. Nous perdons. Nous sommes prêts à vivre dans la falaise. La machine même, c'est vieux, la machine n'est pas vide en bas. Nous avons de la pluie, la machine commence à dépendre de l'air. Et puis, ouais, la machine est debout. Si nous avons vu, la machine est montée sous, elle a glissé. Pas de route. Si nous avons l'école, c'est dangereux. Nous avons pris l'amour, nous n'avons pas de route. Pas qu'à développer cette construction route. C'est ça, chef État, quoi. La continue pour tes projets de tous côtés dans le pays. Pour satisfaire tant de population. Le président, merci pour tout là, le faire nous jeune et puis tout. Ça pour parler le mal, on parle le mal, mais ça pour parler le bien, tout parler le bien. Je suis satisfait de ça. Sous côté réalisation route Inch Saint-Raphaël, y a un pont qui mesurait environ 68 mètres à construire sur rivière Guayamouk, ville Inch. Chantier ça avancé à 70%. L'état de fini en 2 mois, d'après ingénieur responsable. Construction y a un bureau protection animale et végétale démarré tout dans Papay. Y a un projet direction départementale agricole centre. Dans la commune Maïssad, le gouvernement a construit 2 gros ponts. Yon qui mesurait 63 pieds a fait sur rivière Rio Frio à Clotla sous passe Bonbon. Construction 2 parmi 3 d'allô déjà achevé sous passe Naran. Rivière ça a été conduit moun Maïssad en pile problème dans la saison la pluie, d'après magistrat Hubert Duchesne. Ça veut dire que nous avons rencontré en pile difficulté pour les gens qui sont malades, qui sont dans l'hôpital de référence qui est Inch, nous ne sommes pas capables. Pourquoi pas la rivière, ça, là, c'est grâce au président Jovenel qui est venu là, qui a rivière à prendre toute la rivière. Pourquoi pas bon pont plan, c'est la rivière à terre. Et nous, ils font un kirage là-dedans, là, qui coûte au moins 16 millions de gouttes. Il fait qu'on est là où la rivière vient de gagner à l'USA, qu'on est assez là. Nous sommes capables de dire que Maïssad, c'est la première fois que Maïssad bénéficie et non gouvernement comme ça. Nous bénéficier 3 grands ponts, ça c'est pas si bagaille. On va un pont de 63 mètres, ça c'est quelque chose. L'infini, nous bénéficier encore, un autre pont encore, et sous passe Bonbon. Nous avons 5 d'allô, plus 5 petits d'allô qui fait encore. Ça veut dire que nous sommes capables de dire Maïssad, nous bénéficier surtout pour le gouvernement ça, pendant 4 ans. Ça, là. Alors que, dans ce cas, la source, l'administration Moïse Jutla construit lycée Alexandre Pétion avec lycée Stenio Vincent. Et puis électrifier commune c'est Calasous qui peut être jamais courant électrique depuis 1919. Ensemble pour Yessayo, c'est résultat engagement président Jovenel Moïse de prendre devant mon département Centre-Pays pendant la campagne électorale.